Nous, dans le contexte Journée internationale de la travailleuse 2019, alors nous pouvons faire une réflexion sur l'avenir du travail. Alors, ce que nous, on a un niveau de données, et qui travaille, qui est là aujourd'hui, ce n'est pas un travail qui vous fit pour demain. Et avec l'avancée technologique, que nous payons l'intelligence artificielle, robotisation et automatisation. Deuxième, que nous payons développement soutenu. Et troisième, que nous payons développement vert. Pour nous, nous pouvons constater que dans l'avenir, nous avons un certificat académique qui peut connaître une date d'expiration. Il n'y a pas beaucoup longtemps, quand nous avons un certificat jusqu'à nos retailleurs, nous continuons de travailler. Nous avons tout un certificat pour une date d'expiration et nous avons besoin de lifelong learning. Ça aide. Deuxième, un professionnel, y compris un skill worker, votre compétence pas pour match avec un nouveau travail qui vous vient de le morcer. Par exemple, nous prenons un maçon qui est un professionnel, avec un développement vert qui est là, nous avons besoin d'une autre qualité libre. La cause, pour nous, nous avons besoin d'assister ensemble, développer un nouveau business model. Et ce nouveau business model-là, nous avons besoin de prendre en considération sa bande de données qui m'a mentionné là. Mais plus important, nous avons besoin de mettre l'homme au centre de sa business model-là. Nous avons besoin d'investir dans la capacité building, un nouveau monde qui pourra nous porter du travail, mais aussi un monde qui déjà nous porter du travail, qui besoin de retrain. Deuxièmement, nous avons besoin d'investir dans l'institution qui concerne le travail. Et troisième, pour besoin il y a un investissement dans un travail qui respecte les core labor standards, le droit international de travailler, qui respecte un travail décent. Travail décent. Et troisièmement, que travailler là, il y en a sur dignité. Que travailler là, ce travail, c'est pas un travail précaire, c'est un travail permanent. Alors pour nous, dans le contexte de la fête du travail, il y a besoin de réflexion sur ce nouveau business model là, qui vous a commencé à préparer à ce terme là pour prendre en considération les nouvelles données pour le travail de demain.